quelques mois, j'ai fait connaissance avec quelqu'un. Et en OK. gros, je lui ai dit que j'ai pas du tout envie de me mettre en couple. Mais au fur et à OK. mesure qu'on parle, on avance, je commence à avoir des sentiments pour lui, mais je peux pas lui dire. Parce que je trouve qu'il a après pris le même comportement. Ben, genre, Ah, OK. mon ex, au début, il était trop carré aussi, trop protecteur. Et après, 2 ans après, j'ai vu son vrai visage. OK. Donc, lui, ça me fait peur qu'il soit la même personne. Tu sais, je vais dire un truc. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est pas que tous les hommes sont pareils, c'est que vous allez toujours être attiré par le même type d'homme. C'est pas C'est faux. pas les hommes qui sont tous pareils, c'est vos choix qui sont pareils. Donc, où est-ce que je veux en venir en disant ça? C'est simplement que le type d'homme que tu recherches est bien précis. Et le type d'homme que tu vas rechercher, oui, ces hommes-là, ces hommes qui vont se présenter à toi, ces hommes que tu vas aller chercher, ces hommes vers qu'est-ce que tu es attiré, excuse-moi, naturellement, vont te tromper. Parce que c'est le type d'homme que tu adores. Tu m'as dit tout à l'heure une chose qui est intéressante. Tu m'as dit, gentleman, non, surtout pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les gentlemen? Quel type d'homme est-ce que tu aimes? J'en ai, je sais même pas carrément. Là, actuellement, je peux même pas te dire Pourquoi pas gentleman? parce que mon ex, il était en fait Il pendant était 2 ans. quoi? Il était quoi? Mais l'homme parfait, l'homme idéal, qui est carrément le prince charmant, c'est, j'en veux pas quoi. En fait, là, j'ai juste envie d'un mec. Dès le départ, il me montre son vrai visage. Il te montre son vrai visage. Oui, dès le départ. Parce que le visage de mec chou, mignon. Écoute, le truc dans la séduction, c'est que on va toujours chercher à te dire ce que tu veux entendre, que tu le veuilles ou non. C'est le jeu, c'est comme cela. Quel homme montra sa vraie face dès le début? Pas faux. Mais c'est dur parce que au début, c'est tout. Enfin, après, il y a au début, mais au bout de. Quoi? Au C'est le bout marché de la de. séduction, c'est comme ça. Ouais, mais bon. Faut pas que ça soit aussi trop, je trouve. Écoute, c'est jamais trop déjà dans un premier temps. Et surtout, c'est le marché. Et il est comme ça. Et il est cruel au final. Mais tu sais, je veux dire une chose. On va pas se mentir, ok? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je te dis de reconnaître le fait qu'il t'a trompé? C'est parce qu'au fond de toi, tu sais la vérité. Mais tu sais, tu es le type de femme qui adopte le comportement de se dire, j'ai rien vu. Tu as peut-être Ouais. raison, ok? Tu dis simplement, écoute, j'ai rien vu, je préfère pas regarder, et on vit mieux comme cela. Mais C'est je l'ai bien. fait pendant 6 ans. C'est ce que j'ai remarqué, t'inquiète pas, t'es beaucoup dans le déni, et c'est comme ça que je reconnais ce type de femme. T'es dans le déni total, pas de souci. Pendant 6 ans, tu as fermé les yeux. C'est bien, c'est ta méthode, je le respecte totalement. Okay? Ce que je dis souvent, c'est que si tu cherches, tu vas trouver, dans tous les cas. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je te garantis depuis tout à l'heure qu'il t'a trompé. Je te garantis depuis tout à l'heure que c'est en quelque sorte un menteur. Mais au final, c'est quelque chose qui est caractéristique des hommes qui t'attirent. Ça, c'est une certitude. Et ça ne peut pas mentir. Tout à l'heure, je te parle d'un homme qui est gentleman. Tu me fais un signe de dégoût vis-à-vis de cela. Et par la suite, lorsque je te demande le type d'homme qui t'attire, tu n'es même pas capable de me répondre. Mais parce À que j'en partir ai de là, ça plus. devient compliqué. J'en ai plus en fait. Parce que. Le problème, je pense que c'est ce que tu sais pas ce que tu veux au final. Je pense sincèrement. C'est ça le problème déjà dans un premier Là, temps. tout de suite. Enfin, là, tout de suite, là, je me dis. Enfin, il n'y a rien de mieux de se dire que j'ai pas du tout envie de me mettre en couple. Je trouve Au que final, c'est. tu as Il n'y a 22 rien ans. de mieux. Au final, tu as 22 ans. C'est normal, c'est compréhensible. Et au final, tu as 22 ans, tu ne sais pas exactement quel type d'homme est-ce que tu préfères. Tu es simplement en train de tester à peu près toutes les choses et c'est normal. Non, en gros, moi, franchement, j'essaie même pas de tester quoi que ce soit. Mais c'est juste que à chaque fois, peu Si importe tu la n'essayais pas personne. de, si t'es, si t'essayais pas de tester, tu ne serais pas dans ce live. Arrêtons l'hypocrisie Non, tout de mais suite. après, c'est quand je te dis, le gars Écoute, que écoute, en écoute, deux. écoute. Arrête, arrête d'être dans le non-mais. Reconnais des fois. Tu sais que tu es beaucoup dans le non, mais non, mais non, mais non, mais si c'est le cas, oui, il t'a trompé,
Oui, tu sais pas quel type d'homme est-ce que tu préfères. Et oui, tu es attiré naturellement par les hommes qui ont une valeur sur le marché. Donc oui, tu te feras tromper. Et oui, tu tomberas sur des menteurs. C'est comme cela. Mais c'est parce que c'est le type d'homme que tu aimes. C'est tout. Alors Mais tu c'est peux être dans nul. le non mais, encore une fois, c'est la vérité. Mais c'est nul alors, ça sert à quoi? Tu Mais sais, d'avoir c'était... le type d'homme que t'aimes pas, Ok, genre mais je vais te finalement, dire une c'est chose. Je vais te que... dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu dis que c'est nul. C'est nul pourquoi? Qu'est-ce qui est nul? C'est que le type d'homme qui, à contrario, est honnête avec toi et se comportera de la bonne manière avec toi, n'est généralement pas attirant pour toi. Tu as forcément déjà rencontré un homme qui te voulait réellement, un homme qui était réellement intéressé par toi. Mais à contrario, il n'avait pas le physique que tu voulais. Alors oui, tu as laissé plusieurs fois, et ça je peux te garantir, des hommes qui, eux, voulaient réellement de toi passer, filer devant tes yeux. Vrai ou faux? Vrai, j'ai juste On est bien non, d'accord. mais après je me Oh, rappelle non, très mais bien non, et ça non, ressort. non. Tu peux pas. Tu sais, comme je dis souvent, on ne peut pas nier la vérité. Mais je Tu sais. sais, le type d'homme qui, eux, de leur côté, ne te tromperont pas et seront honnêtes avec toi. Mais il est vrai que ce type d'homme, généralement, n'a pas une grosse valeur sur le marché et ne sera donc pas attirant à tes yeux. Par contre, à contrario, le type d'homme que tu aimes, le type d'homme que tu rechercheras, forcément, l'épisode avec ton ex se répétera continuellement, perpétuellement. Parce que c'est le type d'homme que tu adores. Mais au moins le minimum, enfin, au moins si. Je sais pas, mais là, juste d'y penser, le gars, je pouvais pas, Lorsque quoi, tu genre. veux, un homme qui est bien placé sur le marché de l'amour et de la séduction, il faut s'attendre à avoir des côtés négatifs. Tu ne peux pas avoir que le bon. Il y a du Ouais, mais bon. le minimum. Il y a du bon. Tu peux en parler à tes copines. Tu peux te vanter auprès de tes copines. Mais à contrario, il y a un côté sombre que tu préfères apparemment ignorer depuis 6 ans. Très bien. Après, lui, c'est le passé. Lui, il ne fait pas de chimie au Oui, passé. mais t'inquiète Mais pas. j'ai une question pour mon deuxième mec. En gros, à chaque fois quand je lui pose la question, en gros, t'es en couple? T'es en couple? Il ne me répond pas. Ça signifie quoi? Est-ce que t'aimes bien lorsqu'il fait ça? Non. C'est une Non. question. Enfin... Pause. Tu dis que tu n'aimes pas ça, mais au fond de toi, est-ce que tu aimes ça? Non, je déteste ça, en vrai. Alors pourquoi est-ce que tu es toujours là si tu détestes réellement ça? Mais c'est... en Non, fait, non, c'est non, son non, 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 comportement. non, 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 non. Si tu détestes réellement cela, pourquoi est-ce que tu es toujours Mais c'est son comportement en là? fait. Réponds simplement à la question. Pourquoi est-ce que si tu détestes J'en sais réellement rien. cela, tu vois, même toi tu Mais ne le je sais le suis, enfin, c'est son comportement qui a fait que je me pas. pose des questions Et un c'est peu. pour ça que je te dis depuis tout à l'heure que tu oses venir dans ce live en me disant que tu as peur que ton nouveau mec reproduise les erreurs de ton ex Ouais. alors qu'il se permet ouvertement de ne pas répondre à ce genre de questions. Et bizarrement, tu ne détectes rien. Alors, Si, j'ai détecté, mais bon. au fond de toi, tu sais, mais tu ignores parce que c'est ce que tu aimes. Et ça, tu peux le nier jusqu'à 2 heures du matin, comme je te le dis depuis tout à l'heure, mais tes actions et les actions de cet homme parlent pour toi. Et le simple fait que tu laisses passer cela confirme ce que je te dis depuis tout à l'heure. Mais je sais pas. On ne peut pas nier la vérité. On ne peut pas nier la vérité. Mais son comportement ne va pas pour un mec qui est en couple. Enfin... C'est simplement, tu sais comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai fait une vidéo là-dessus qui a fait plus d'1 million de vues il y a de ça quelques semaines. On appelle ça un connard. Et les femmes? Adore les connards. La réponse à ta question. Ton ex, c'était un connard. Ton nouveau mec, c'est un connard. C'est tout. Mais je fais quoi alors? Genre, je le dépose, enfin... Ben, tu choisis le connard le plus discret, qui te trompera de la bonne manière et qui se comportera un minimum bien avec toi. C'est tout. Aucun Le des moins deux. pire, si tu préfères. Ah, mon deuxième mec. Là, je serais peut-être mon deuxième, mais Pourquoi j'ai pas? pas. En fait, pour moi, je trouve une relation à distance, tu peux pas vraiment connaître la personne. Dans ce cas-là, je choisis un troisième connard. C'est tout. Il y en a beaucoup sur le marché, t'inquiète pas. Je suis entre qui des connards. Mais du coup, je fais comment pour détecter un homme C'est pas bien? que tu rencontres que des connards, c'est que tu es attiré que par les connards. Mais je fais comment pour, enfin, pour détecter un homme bien? Mais un minimum. Tu trouveras lorsqu'il viendra, t'inquiète pas, mais tu ne seras pas attiré par lui. Je me base pas que sur le physique, hein. Mais il faut un truc. Il faut cette alchimie. En fait, moi, je suis quelqu'un. Par exemple, mon deuxième mec, enfin, mon deuxième gars là,
c'est pas mon physique, mais rien à Oui, voir. mais il a le comportement qui va avec, donc ça passe. C'est pas grave. Mais je dois choisir quoi? Le physique, le comportement? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop quand on me court derrière. Du coup, pendant 2 mois et 2 mois, moi, je suis pas attendre. Et l'effet que la personne attend hyper longtemps, et après, je dis OK. Par exemple, mon deuxième mec, il a attendu pendant 1 an et demi. Du coup, je fais comment? Tu t'es séparé il y a combien de temps de ton premier mec? Il y a 3 semaines. De ton premier mec, ton ex? Oui, Et trois le semaines. deuxième a attendu 1 an et demi, c'est bien cela? Oui. Pendant ces 1 an et demi, tu lui parlais? Oui, on se parlait juste, on se voyait jamais. Ok. Bah, tu vois, c'est drôle, parce que t'es aussi une connasse. Non, ça, c'est pas pareil. C'est pas Connasse, pareil tu... parce Non, que mais moi, écoute, c'était je sais... mon Non, pote. laisse-moi finir. Tu sais ce que je dis souvent? C'est qu'on attire ce qu'on est. Mais moi, en fait, Non, non, c'était. non, 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 non. Bon, ça... On arrête là. On attire ce qu'on est. Mais pas du tout. Si. Mais comment ça? Les actions parlent pour toi. Mais Regarde non, tes actions. tu sais qu'il y a des moments où, en fait, t'es pas bien. Ça arrive à un instant dans ta vie où t'es pas Écoute, bien. écoute, 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 écoute. On va pas être dans le déni toute la soirée. Ok? Liste tes actions sur une feuille, regarde tes actions et tu comprendras ce que je veux dire. Ça te va? Ok, je vais Ok. essayer. Passe une bonne soirée. À toi aussi.